Salut tout le monde, bienvenue sur Duplicate Club, ici Alexander qui va vous animer cette partie, partie Joker à vocabulaire complet. Nous sommes mercredi et le mercredi c'est jour de partie Joker à vocabulaire complet. Partie Joker, je rappelle le principe, hein, on écarte les deux Jokers du sac, le logiciel tire 6 lettres, on ajoute le Joker. Donc vous avez un tirage à chaque fois de 7 lettres dont le Joker. Dans la solution du top, le Joker est remplacé par la vraie lettre qu'il est censé, à laquelle il est censé se substituer. Et comme ça, on va chercher la vraie lettre dans le sac ou dans le reliquat. Comme ça, on garde le joker pour le coup suivant, etc. On procède de la même façon jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. C'est-à-dire quand la lettre en question elle n'est plus disponible, eh bien, on laisse le joker sur la grille pour qu'on puisse poser le top quand même, bien sûr. Et on prend le deuxième joker et on procède de la même façon jusqu'à ce que ce soit plus possible. Et quand c'est plus possible du tout, et bien qu'on n'a plus de joker, on termine la partie sans les jokers comme une partie normale. Voilà. À l'issue de la partie, le traditionnel décodage. On va passer en revue les coups de la partie. On verra les définitions des mots peu courants et les potentialités des tirages. Et puis si ce n'est pas déjà fait, bien je vous invite à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Vous êtes actuellement 805 abonnés, on a un objectif à 1000, c'est très important pour nous pour continuer. Vous comprendrez bien sûr quand ça sera le cas. Et voilà, donc parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour venir jouer sans se déplacer. Ça n'empêche pas bien sûr d'aller jouer dans les vrais clubs et dans les vrais tournois, mais pour s'entraîner, c'est le support idéal puisqu'on a le chrono, on a les annonces des tirages et puis on a des parties à vocabulaire courant. Pour les débutants, c'est vraiment l'idéal parce qu'on peut se concentrer sur la recherche, sur la technique et on n'est pas forcément frustré par des mots incongrus qui sortent de nulle part. Donc c'est un bon outil pour les parties à vocabulaire courant, c'est un très bon outil pour l'initiation des débutants et puis même pour le perfectionnement des joueurs déjà un peu aguerris. Ça permet de voir si on arrive à rester concentré pendant toute une partie, ce qui n'est pas toujours évident, même avec des mots courants. Voilà. Allez, on va y aller. Donc, je vais nettoyer, entre guillemets, le chevalet, puisque ce n'est pas le tirage qu'on va avoir. Je vous souhaite une très, très bonne partie. Donc, partie de Joker à vocabulaire courant. Non, pardon. À vocabulaire complet. La partie de Joker à vocabulaire courant, c'est le jeudi. Voilà, c'est demain. Donc, je vous souhaite une très bonne partie. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Vous prenez donc votre premier joker, forcément. Tunisie, T. Égypte, E. Belgique, B. Jordanie, J. Uruguay, U. Et Roumanie, R. Vous jouez avec Joker, Tunisie, Égypte, Belgique, Jordanie, Uruguay et Roumanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 96 points. Le joker est remplacé par un A d'Algérie. Horizontalement en H4, nous posons Jubart. J-U-B, le A d'Algérie qui remplace le joker. R sur la case centrale. T-E.
Jubart H4. Ça fait 96 points. Aucune lettre au reliquat. On récupère le premier joker. Et voici également Océanie O. Maroc M. Égypte E. Algérie A. Tunisie T. Océanie O. C'est le deuxième. Vous jouez avec joker, Océanie deux fois, Maroc, Égypte, Algérie et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 66 points. Vous ferez extrêmement attention à la lettre qui va venir remplacer le joker. Ce sera un N de Norvège. Verticalement en 5G, en appui sur le U de Jubart, nous descendons autonome. A, U de Jubart, T, O. Le N de Norvège qui remplace le joker, O-M-E. Autonome, en 5G. Ça fait 66 points. De nouveau, aucune lettre au reliquat. On récupère le premier joker. Et on ajoute Italie I. Roumanie R. Océanie O. Égypte E. Luxembourg L. Et Norvège N. Vous jouez avec joker, Italie, Roumanie, Océanie, Égypte, Luxembourg et Norvège. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
le coup est terminé. Un maximum à 80 points. Le joker sera remplacé par un S de Suisse. Faites très attention à la solution choisie. Nous allons jouer horizontalement en O1. Et justement, mettre le S de Suisse au bout de autonome avec Nolizé. N-O-L-I. Le S de Suisse qui remplace le joker et vient mettre autonome au pluriel. E-R. Nolizé. N-O-L-I-S-E-R en O1. Ça fait 80 points. De nouveau, aucune lettre au reliquat, exception faite du premier joker que l'on récupère. Et voici également Portugal P. Luxembourg L. Italie I. Venezuela V. Luxembourg L, c'est le deuxième. Et Algérie A. Vous jouez avec Joker, Portugal, Luxembourg deux fois, Italie, Venezuela et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 89 points. Pour cela, le joker est remplacé par un O d'Océanie, verticalement en 1H. Pour atterrir sur le N de Nolizé, nous descendons pavillon. P-A-V-I-L-L. Joker remplacé par O d'Océanie et N de Nolizé. Pavillon, P-A-V-I-2-L-O-N en 1H. Ça fait 89 points. Aucune lettre au reliquat. On récupère le premier joker et Danemark D, Belgique B, Uruguay U, Suisse S, Wallonie W, Égypte E. Vous jouez avec joker Danemark, Belgique, Uruguay, Suisse, Wallonie et Égypte. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 47 points. Verticalement, en 11 E, de façon à mettre un S au bout de Jubart, nous descendons Web. On n'utilise pas le Joker. Web, W-E-B-S. Le S vient mettre Jubart au pluriel. Web, W-E-B-S en 11 E, ça vaut 47 points. Reliquat, trois lettres, Danemark, Uruguay et le premier joker. Nous ajoutons... Eh bien, rien du tout, en fait. On va rejeter. Donc, il y a rejet. Donc, rejeter le D et le U. Bon, on garde le joker, bien sûr. Et voici six nouvelles lettres. Égypte E. Maroc M. Algérie A. Océanie O. Hongrie H. Italie I. Vous jouez avec Joker, Égypte, Maroc, Algérie, Océanie, Hongrie et Italie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top qui culmine à 65 points. Le joker est pour cela remplacé par un C de Canada, verticalement en 8C, en appui sur le R de Jubart. Nous posons Chaumeret. Canada, C de Canada pour remplacer le joker. H-O-M-E, le R de Jubart. A-I, Chaumeret. C-H-O-M-E-R-A-I en 8C, ça fait 65 points. Aucune lettre au reliquat. On récupère le premier joker. Et on prend Égypte E. Roumanie R.
Océanie O. Danemark D. Tunisie T. Venezuela V. Vous jouez avec Joker, Égypte, Roumanie, Océanie, Danemark, Tunisie et Venezuela. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 65 points. Horizontalement en J7, le joker est remplacé par un N de Norvège. Sur le I de Chaumeret, nous posons Videron. V, I de Chaumeret, D, E, R, O. N joker, pardon, joker remplacé par le N, par un N de Norvège, et T. Videron, V, I, D, E, R, O, N, T, en J7, ça fait 65 points. Aucune lettre au reliquat. Voici toujours votre premier joker. Accompagné. De 6 lettres que voici. J'arrive. Hein. C'est juste que j'ai fermé la fenêtre par erreur. Italie, I. Algérie, A. Hongrie, H. Algérie, A, c'est le deuxième. Roumanie, R. Et Norvège, N. Vous jouez avec Joker. Italie, Algérie deux fois, Hongrie, Roumanie et Norvège. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 84 points. Le joker est un A et remplacé par un A d'Algérie. Horizontalement, en C7, en appui sur le C de Chaumeret, nous posons
acharné à le C de Chaumeret, H, A d'Algérie qui remplace le Joker, R, N, A, I. Acharné, A-C-H-A-R-N-A-I, en C7, ça fait 84 points. Aucune lettre au reliquat, on a toujours le premier joker. Et voici également Danemark D, Grèce G, Uruguay U, Norvège N, Égypte E, Italie I. Vous jouez avec Joker, Danemark, Grèce, Uruguay, Norvège, Égypte et Italie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. 77 points. Verticalement, en 2D, en collant à droite des trois premières lettres de pavillon. Et nous allons pour cela laisser le premier joker sur la grille. Il va remplacer un O d'Océanie avec Dogin. D, le joker qui remplace un O et qui reste sur la grille. G-U-I-N-E. Au passage, nous formons Pi en et V avec les trois premières lettres de pavillon. Dogin, 2D, ça fait 77 points. Aucune lettre au reliquat, on attrape le deuxième joker, lettre blanche. Et six autres lettres que voici. Égypte E, Maroc M, Tunisie T, Suisse S, Italie I deux fois. Vous jouez avec Joker, Égypte, Maroc, Tunisie, Suisse et Italie deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 88 points. Vous allez faire extrêmement attention à la solution choisie et à sa place. Verticalement en 15A, de façon à mettre un T au bout de acharné, et en utilisant un A d'Algérie pour remplacer le joker, nous descendons estimer ES, le T qui vient au bout de acharné AI pour faire acharné AIT, IM, le joker remplacé par un A d'Algérie, et encore un I. Donc attention, hein, nous avons joué estimé ESTIMAI en 15A, c'est le T qui vient en bout de acharné. Et ça fait 88 points. Aucune lettre au reliquat, on récupère le joker et on prend Égypte E, Uruguay U, Portugal P, Uruguay U c'est le deuxième, France F, Tunisie T. Vous jouez avec joker, Égypte, Uruguay deux fois, Portugal, France et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce coup s'élève à 51 points. Verticalement en 8L. On va remplacer le joker par un A d'Algérie qui va venir au bout de nos lisées avec FETA. F, E, T et le A d'Algérie qui remplace le joker tout en transformant nos lisées ER en nos lisera. FETA, F, E, T, A en 8L. Ça fait 51 points. Trois lettres au reliquat, Portugal et Uruguay deux fois. On ajoute le deuxième joker toujours disponible, Luxembourg L, Zambie Z, France F. Vous jouez avec Portugal, Uruguay deux fois, joker, Luxembourg, Zambie et France. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 57 points. Le joker est remplacé par un T de Tunisie. Horizontalement en H13, nous posons ZUT, Z, U, T de Tunisie qui remplace le joker et qui vient transformer estimé AI en estimé AIT. ZUT, H13, ça fait 57 points. Un reliquat de 4 lettres, France, Luxembourg, Portugal, Uruguay. On ajoute le deuxième joker toujours disponible. Égypte E, Roumanie R. Vous jouez avec France, Luxembourg, Portugal, Uruguay, Joker, Égypte et Roumanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 33 points. Verticalement en 12A, le joker va être remplacé par un D de Danemark. Nous sommes en appui sur le N de acharné et nous posons fendu. F-E-N, D de Danemark pour remplacer le joker et U qui forme WU, W-U, avec le W de web. Fendu, F-E-N-D-U, en 12A, ça fait 33 points. Trois lettres reliquats, Luxembourg, Portugal et Roumanie, vous allez les rejeter. Donc vous rejetez le L, le P et le R. Et vous prenez le joker, lettre blanche, Canada, C, Suisse, S, Égypte, E, Italie, I, Luxembourg, L, Uruguay, U. Vous jouez avec Joker, Canada, Suisse, Égypte, Italie, Luxembourg et Uruguay. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum. À 86 points. Le joker est remplacé par un X de Xénophon, enfin par le X de Xénophon, horizontalement en A5. Pour terminer sur le F de Fendu, nous posons exclusif. E, X qui remplace le joker, C, L, U, S, I et le F de Fendu. Exclusif, A5, 86 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On a toujours de disponible le deuxième joker. Et voici pour compléter le tirage, Luxembourg L. Roumanie R. Québec Q. Québec. Uruguay U. Égypte E. Deux fois. Vous jouez avec Joker, Luxembourg, Roumanie, Québec, Uruguay et Égypte deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum sur ce coup à 82 points et nous allons, entre guillemets, perdre le deuxième joker. On va le laisser sur la grille. Il va remplacer un U d'Uruguay horizontalement en M7 sur le E de Feta. Nous posons reluquer. R, E, L, le joker qui remplace un U d'Uruguay. Q, le U du tirage. E, E. Reluquer, R-E-L-U-Q-U-E-E en M7, ça vaut 82 points. Aucune lettre reliquat, on n'a plus de joker, donc on termine la partie avec les lettres qui restent. Égypte E, Yougoslavie Y, Grèce G, Suisse S deux fois, Norvège N, et Kenya K, Kenya. Vous jouez avec Égypte, Yougoslavie, Grèce, Suisse deux fois, Norvège et Québec. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Quarante-huit points horizontalement en D2, en partant du D de Dogin, nous posons Dyke, D-Y-K-E, et n'oubliez pas le S final. Dyke, D-Y-K-E-S, en D2, ça fait 48 points. Un reliquat de trois lettres, Grèce, Norvège et Suisse. Vous prenez les trois dernières lettres. Portugal, P. Égypte, E. Et Roumanie, R. Vous jouez avec Grèce, Norvège, Suisse, Portugal, Égypte et Roumanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Alors, le top de ce qui sera le dernier coup de cette partie joker à vocabulaire complet s'élève à 30 points, verticalement en 15M. Pour mettre un S au bout de reluqué, nous descendons CEP, S-E-P. CEP, 15M, 30 points. Voilà qui termine cette partie donc en 17 coups pour un top cumulé de 1144 points, une partie assez brève. Avec pas mal de Scrabble, et on va décoder ça tout de suite. Jingle. Alors, le décodage, rapidement, comment ça se déroule. Premier temps, on passe en revue tous les coups de la partie pour voir les isotopes et les sous-topes principaux. Deuxième temps, les définitions des mots peu courants. Et troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8, parfois 9 lettres, que nous n'aurions pas vues ni pendant la partie, ni pendant justement ce premier temps de décodage. Et puis en bas, vous avez deux petites lignes qui défilent. La première, c'est une sélection des principaux mots de vocabulaire de la partie que j'estime important à retenir. Et la deuxième, c'est une petite liste. Alors en général, c'est une petite liste, une astuce, une règle, un moyen mnémotechnique, un tirage à retenir, des choses comme ça. Et là, je vous ai mis les mots comme on a joué. Qu'est-ce qu'on a joué ? Dyke, D-Y-K-E. Je vous ai mis tous les mots jusqu'à 4 lettres, sinon ça fait un peu long, qui contiennent et un Y et un K. Voilà. Donc ça défile en bas, je vous laisse en prendre connaissance pendant les deux premiers temps du décodage, ça va continuer à défiler. Alors, le premier coup, ça c'était difficile, hein. Jubart, on verra la définition tout à l'heure, mais c'est un mot à connaître, un mot de 7 lettres sans anagramme avec le J. Voilà, il faut les connaître, ces mots-là, donc c'est pas évident. 96 points, Scrabble unique. Sinon, on avait jubé à 42, jeteur, jouté,
Jure, ENT, JUT, ER, JUTERA, etc. à 40 points. Voilà. Le coup suivant, très joli tirage. Alors, quand il y a deux os, c'est un peu stressant. D'accessible au niveau du vocabulaire, on a autonome et ottomane. Ottoman. Bon. Moderato, peut-être aussi. Et puis autosome, qui est pas très connu. Donc, c'est un coup difficile, mais bon, il y avait possibilité peut-être de voir autonome. C'est la solution qu'on a retenue. Et donc, vous avez vu les autres Scrabble. Hein, autosome, même score. Ottoman, 61 ou 60. Et Moderato, 60. Et puis après, on avait 28 points, pardon, en mettant le S Joker au bout de Jubart. On avait deux possibilités, Atom et Otam, pour 28. Le coup d'après. Alors là, Joker, on va penser au S pour aller le mettre soit au bout de Jubart et marquer 78 points, soit au bout de Autonome et en marquer 80. Sauf que là, au bout de Autonome, il faut trouver l'Iseron, Insolé, Nolisé, Roselin, c'est pas facile. En revanche, Éliron, Relion, ça c'est un peu plus accessible en 11B, donc pour moins 2. Et puis à cet endroit-là, vous avez d'autres possibilités. Lioron, lui aussi plus accessible. Néroli, voilà, et puis après on appuie, reliron, limeron, bon, E-R-O-N-T, limonera, le verbe limoner, limonier, voilà. Bon, à ce propos, dans les définitions et puis dans la petite liste en bas qui défile, je ne mets pas tout, hein, parce que forcément, ça serait beaucoup trop lourd. Mais n'hésitez pas, vous, si vous voulez aller approfondir vos connaissances, les définitions, les tirages, vous allez sur le site m.crds.fr et puis vous aurez, c'est ce que j'utilise pour les définitions ici, et vous aurez tout ce que vous voudrez. Alors, le coup d'après, un magnifique pavillon à 89 points et un non moins magnifique pluvial en sous-top au féminin à 66. Joli tirage. Et puis si on ne scrabble pas, eh bien on se contente de 57 points. On se contente entre guillemets de 57 points, parce que c'est pas mal quand même. Pava, le P qui double, mot qui triple, et puis on forme nos Lisora qui triple également. Et au même endroit, on a d'autres solutions à 54 points. Vela, Vida, etc., etc. Vira, Visa, Vola. Voilà. Alors ensuite, le S au bout de Jubart, et puis on a Web qui fait 47. En 8L, Busa, 45. Et si on revient en 11D, il y en a les Do, D-A-U-W-S à 45 également. Alors, ici, tirage intéressant, mais pas beaucoup de possibilités. Il y en a quand même quelques-unes. Hein. Si on fait ERAI, Joker C, voilà, on a Chaumeré, ces anagrammes acromie et mâchoire font un petit peu moins, 62 et 61 points. Et 62, c'est également le score de Harmonie. Et vous voyez, tout ça, c'est en appui sur le R de Jubart. Donc, c'est le tirage. Vous remplacez le Joker par un R, là. Et puis, ce tirage plus un Joker, ça donne Chaumeré, Acromie, Harmonie et Mâchoire. On verra tout à l'heure s'il y a d'autres possibilités qui ne passeraient pas ici. Non, avec le R, il n'y a que ça. Et puis ensuite, si on ne veut pas scrabler, on peut quand même marquer 60 points. C'est un score de scrabble en 8K avec Choma, le H qui double, le mot qui triple et Nolisora qui triple également. Le coup suivant. Scrabble unique, encore une fois, donc c'est difficile. Videron en faisant ERONT. Bon, ça peut venir, mais ça, c'est pas évident quand même ici, je trouve.
On a tendance à vouloir jouer avec le, en faisant un préfixe des quelque chose. Dévora, par exemple. Là. On verra tout à l'heure les autres appuis. Scrabble unique, donc, une nouvelle fois, sous top 54 points avec Veda, Vota 51, Reva 42, Dora, Dota 39. Tout ça, c'est au même endroit. On met un A au bout de nos lisées. On triple les deux mots. C'est ce qui explique l'intérêt de la place. Alors, le tirage suivant, le coup suivant. La terminaison AI nous envoie vers Acharné, qui en plus permet de placer le H à côté du, sur la case bleue et on fait doubler le mot, donc ça fait un score intéressant. 84, 82 si on place mal le joker. Chagrina, Chénard, Chénera, Chancira et Charné, tout ça, ça fait 82 aussi au même endroit. Krashina, 76. En 14H, on a un joli anti-char. Enterré, même place, 70. Les deux font 70. Anarchie, branché, bon, il y a voilà, tranché, tout ça, ça fait 67. Un harnais, Scrabble sec sur ce coup, à 66. Maharani, 66 également. Hilarant, 62. Allez, et donc ça, c'était les seuls, enfin les seuls, c'était les Scrabbles. Et sans scrabler, on marquait 54 points avec Aka, Ata, Ala, Ava, Aura, tout ça à la fameuse, sur la fameuse place en 8L. Alors, le coup d'après. Ça, c'est un coup pas évident. Bon. Dogin, qui est un petit peu planqué, là, en 7 lettres, 77 points. Sous top à moins 3 avec guinde, du verbe guinder et guindier également, donc à moins 5. Et puis après, on a une série à 71, là en B1, avec dingue, dingue au pluriel, andiga, guide, ENT, tout ça. Voilà, le joker est à la fin, ce qui fait que ça fait 71. Un petit guéridon en E2 qui fait 68. Et puis ensuite, des 39 points, là, Dina, Gena, Gea, en 8L. On va l'occuper, cette place, un de ces quatre. Alors, ici, on a le S, le T qui peuvent aller au bout de acharné. Et puis, on cherche un mot. Intime, mitigé, timide, titisme, atimi. On a amitié aussi, au pluriel, mais qui passe pas. Et on a retenu estimé, bien sûr, pour la terminaison. On peut rajouter un S ou un T au bout, ce qu'on va s'empresser de faire. Autre possibilité de scrabler ailleurs, en appui, plus surtout Amnesty à 70. Et puis tous les mots de cette lettre qu'on a vu, là, ils passent également en B1 avec le S à la fin. Pour la plupart, ainsi que on a moitié, mixité, on appuie illotisme, mincite, ministre, moisite. Voilà, beaucoup beaucoup de Scrabble avec ce tirage. L'essentiel étant de jouer en 15, en colonne 15 avec un S ou un T au bout de acharné. Il y avait de quoi faire. Ensuite, alors là, pas très inspirant pour le scrap, ce tirage. Et enfin, on va utiliser la place pour toper avec Feta en 8L. Donc le F qui double, le mot qui triple, avec Nolizora qui triple également. Et puis, même principe, mais avec un peu moins de points. FUT, FUT en H13 qui fait la même chose avec Estimé AIT. Feta en 8L fait 45. Et puis, on a évidemment des solutions à moins 3 aussi en H13. Alors, le tirage suivant, ben là justement, on va aller mettre le joker T au bout de estimé pour faire zut à 57. Un joli sous-top à moins 3 avec le Z qui double et en double appui, joker C initial cumulé en M3. Également pouffé en double appui avec le P, les deux F et le Z, même si on n'a pas de cases qui multiplient les lettres.
Ça fait des points, 46 en mot double, et puis un joli yuzu, yuzu, en 1A pour 43, qui forme ud, oud, pardon. Alors, ici, alors j'ai pensé à répulsif sur un i ou un s. On verra tout à l'heure s'il y a d'autres appuis. Et donc là, en A33, on a retenu un fendu qui fait wou, avec le F qui double, le mot qui double. Et il y avait deux autres jolis isotopes, double appui, sans scrabler, évidemment. Sinon, ça faisait plus. Et donc, c'était fluctué et frustule. Le F en pivot sur la case bleue foncée, ça explique le score élevé, 33. Et même place, bon, sans le R fluctué, fait moins 1. Et on a également flustre et flutter à 32. 32, c'est également le score de four en B10. Même principe, le F en pivot sur une case bleue foncée. Alors, oula, le tirage d'après, il y a pas mal de solutions potentielles. On ne les verra pas toutes, il y en a trop, je vous le dis tout de suite. Alors là, c'était pas évident, parce qu'il fallait penser joker lettre chère, c'est pas facile. Exclusif, le mot est connu, mais pas toujours facile à construire. On peut y penser en faisant if, hein, zif. Si vous l'avez trouvé, je vous dis bravo. Ça fait 86, sous top à moins 10 avec féculer, le verbe. 76, M7, on a séculier, le C qui double. 76 également, et puis même place, éclusier, ER ou EZ, hein, le verbe ou le nom éclusier, éclusière, à 74. Recueil également fait 74 sur le même E de feta. Celsius, joli scrabble sec, clic, écueil, tout ça en B1. Éculé, ça fait 72, inclus également. Le signe, le site en M7, 72 aussi. Vous voyez, il y a plein de solutions en 72. Lucite, lucide, sicule, etc., etc. Et puis, si on ne veut pas scrabler, magnifique, zancle à 34 points en 13H, double appui Z, et le mot qui double. Allez, on s'approche de la fin de la partie. Reluquet et E. C'est le top de cet avant-dernier coup, je crois. Oui, je ne sais plus. Oui, avant ou avant-dernier. Ou avant-avant-dernier, je ne sais plus, peu importe. Donc, c'était le seul Scrabble, 82 points. Il ne fallait pas le rater. Sous top à 44 points avec requête, même place. Mais on a le Q qui double et le mot qui double. Même configuration avec équerre, mais qui fait 2 points de moins. Quêteur en double appui avec le Q qui fait qui au pluriel. Quêteur au pluriel, ça fait 37. Alors voilà, l'avant-dernier coup, c'est celui-ci. Dyke, le Y et le K, le mot qui double, ça fait 48. Sans le S, on est à 46. Essuyer le Y sur une case bleue foncée, 34, et la même chose avec le K, triple SKA en 10A, ça fait 33, et sans le S, 32. SKA passe aussi en F13, donc là, vous voyez, hein, la lettre chère à 10 points sur les cases bleues foncées, c'est systématique, hein, pour marquer des points, il faut chercher tout le temps ça. Bon, là, c'est battu par Dyke, mais très souvent, le top, quand on a une lettre chère, c'est avec les cases bleues foncées. Et enfin, le dernier coup, le S au bout de reluquet, on triple avec CEP, SEP, sous top PSI en mot double à 28 points, NEY, NEYS à 27, et PESERA, joli PESERA qui triple le P, met un S à fondu, et qui ne fait que 26 points. Voilà, donc c'en est terminé pour le passage en revue des coups de la partie. Maintenant, on va voir les définitions. Alors, je vous les donne, elles défilent à gauche dans le rectangle vert et je vous en donne lecture. Elles ne sont pas dans l'ordre forcément de la partie, puisque je prépare et puis ensuite j'en ajoute quelques-unes et je les insère pas forcément au bon endroit. Oui, je sais, c'est comme ça. Voilà. Je pourrais perfectionner la chose, mais ça prendrait plus de temps et bon, peu importe. Alors, Jubart, c'est une baleine à bosse, on l'appelle également mégaptère. Le jubé, une tribune élevée dans certaines églises. Autosome, un chromosome non sexuel.
Noliser signifie affréter et son anagramme, anaverbe, j'appelle ça anaverbe. Alors ne jouez pas anaverbe hein, au Scrabble, ça n'est pas admis. Mais c'est intéressant de connaître des verbes anagrammes parce que tout simplement, à partir du moment où ce sont deux verbes du même groupe qui se conjuguent de la même façon, donc toute forme de l'un est anagramme de la forme équivalente de l'autre. C'est-à-dire que un sola est l'anagramme de nolisa, un solon est l'anagramme de nolison, etc. Et du coup, quand vous avez un des deux, ben vous avez l'autre et vous voyez si l'autre peut passer. C'est l'intérêt des anagrammes au Scrabble, hein, c'est que on connaît un binôme, par exemple limonade mondiale. Ben, limonade ne passe pas parce que le M est mal placé, mais par contre mondiale passe. Donc on fait le lien et c'est intéressant cette gymnastique au Scrabble pour trouver les tops, de connaître les anagrammes. Voilà. Ensuite, achromie, absence de coloration normale de la peau. Alors, contrairement à beaucoup de cas, le A est effectivement le préfixe privatif, mais ici, le mot chromie sans le A n'existe pas. Donc, ne jouez pas chromie, C-H-R-O-M-I-E. Si vous avez ce tirage-là au premier coup, eh ben, vous ne scrablez, vous jouez chômé. Il n'y a pas de scrabble en fait avec chômé plus I. Il n'y a pas de solution. Veda, ensemble des premiers textes littéraires de l'Inde, rapproché de l'adjectif védique, qui désigne également une forme archaïque du sanskrit. Dogin, dogin, un jeune ou une jeune dog. Atimi, dans l'Antiquité grecque, c'était la privation des droits. Feta, je vous l'ai mis, c'est le verbe fêter, mais c'est aussi le fromage grec, la feta. Féculer, réduire en fécule. Dike, en géologie, c'est un filon de roche éruptive. Le cep, c'est la pièce de la charrue qui porte le soc. Moderato, nom masculin et adverbe, donc ça veut dire qu'on peut mettre un S au bout, hein, le mot est variable, en musique c'est un mouvement modéré. Ottoman, ottoman, relatif aux ottomans, les turcs. C'est également, pour le nom masculin, une étoffe à grosse côte, et pour le nom féminin, un canapé. Roselin, un petit passereau au plumage brun orné de roses. Liseron, une plante grimpante. C'est joli, je trouve ça très poétique quand vous avez un animal qui est anagramme d'une plante. Voilà. Roselin, liseron. Frustule, une enveloppe siliceuse de certaines algues. Séculier, séculière signifie laïque ou désigne un clergé qui n'appartient pas à un ordre religieux. Et c'était tout. Voilà. Donc c'est tout pour les définitions. On va maintenant passer aux potentialités des tirages. Donc pour cela, je reviens au début de la partie. Et je change d'affichage. Alors dans cette séquence, je m'attarde essentiellement sur les mots qu'on n'a pas vus. Hein. Sinon c'est un peu trop long. Idem les mots qui découlent des mots qu'on a vus, j'en parle pas. Par exemple là, jubart, je vous le dis pour dire, je vais pas vous le dire, mais jubart, je vous en parlerai pas, et jubart au pluriel non plus, parce que c'est logique, voyez. Donc là, avec en appui, on aurait pu avoir abjure, jaboteur, et puis les deux déjà cités. Donc ça, c'est en 7 et 8 lettres. Et en 9 lettres, qu'est-ce qu'on a de plus? Objecteur, bijoutier et boujouter, le verbe boujouter. Le tirage suivant. Alors, c'est magnifique. Ah, il y a plein de jolies choses là. Économa. Donc c'est un nom, hein. C'est pas, il n'y a pas de verbe économer, c'est un économa athée. Desuma, logatome, omoplate, potomane, maestoso, zoumat. Magnifique. Bon, je vais jeter un œil aux 9 lettres, mais... En zappant les conjugaisons et les flexions de ce qu'on vient de voir. Célomate,
ça doit se prononcer comme ça. Monotache, monotrace. Automédon, autodrome, érotomane, zoogamète. C'est beau. Autoforme. Vagotomie. Antonome. Homéostat. Taxonomie, potomanie, moratoire, vasotomie, myopotame, ok, astronome, ah, ce tirage est absolument splendide, autopompe, motopaver, protonéma. Allez, on va dire que c'est bon. Après, il y a beaucoup de conjugaisons et de déclinaisons de ce qu'on a déjà vu. Allez, le tirage d'après. Bon, là, il y a trop de possibilités. Aileron, alérion, licorne, litorne, onglier, ourlien, proline, rétinol. Je vous donne que les 7 lettres et puis pour le reste, vous voyez, il y en a énormément. Donc, on va zapper. Hein. Voilà. Alors ici, eh bien, on les avait vus les deux. Et en 9 lettres... Ah oui, il y avait quand même pluvial sec, hein, si j'ose dire. P-L-U-V-I-A-L en 7 lettres. Et en 9 lettres, eh ben rien de plus intéressant que des déclinaisons de ce qu'on a déjà vu. Alors ici, rien en 7, rien en 8. Et rien en 9. Alors, en voilà un tirage qui est joli. Amochier, chamoisé, émouché, empoché, méchouilla, mohicane. Et bien tout ça, le reste, on l'a vu. Bon, en 9 lettres, il y aura beaucoup de conjugaisons. Mahoraise, amphibole, bochimane, colliambe et coriambe. Hématobie. Machicoté, manchoise, maillotche, monarchie, dicogame, ethmoïdal, homardier, humanoïde, rhodamine, superbe, hologamie, homogamie, ogamique, hiémation, ammophile, hématlos, matiole avec deux T, ophtalmie, hypomanie. Et puis après, on a a priori vu... Ah non, aphorisme. Myopathie. Minaouet. Ok. Alors, le tirage suivant. On avait Dévora et Devron en 7 lettres. Évidemment, dévoré, dévorant. Verdoya, dévolté, dévore. Vendron. Donc ça, c'était pour les 7 et les 8. Et en 9 lettres, bon. Évaderon, décevron, découvert, découvri, divorce, ENT.
démotivés, dévieront, redoivent, redevront, évaderont, ouais. Dévolteurs, dormitives. Ok. Ensuite, alors là, c'est pareil, pas mal de possibilités. Oula, il y avait harnais en sec et également piranha en cette lettre. Donc, on appuie et qu'on n'a pas vu. Ahanere, hiragana. Bon, ça, on l'a tous vu. On a tout vu puisqu'on a le C de Chomeré. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Envahira. Saharien, inhalera, et le reste a été vu. Alors ici, eh ben c'est pareil, on a presque tout vu, je crois, à part indagé et nigod en U, on est dans les 7 lettres. Et en 9 lettres, en 8 lettres, pardon, il y a plein de possibilités, donc on va se contenter d'en donner 3-4 qui sont sympas. Désinga, iguanidé, guindage, guindo, guidance, bigouden, nidifuge, languide, ou languidé, je crois, guidoun, engourdi et guéridon, un binôme à retenir. Voilà, c'est tout. Ici, c'est pareil, beaucoup trop de possibilités. En plus, tout ça, ça passait en Scrabble. On les a vus. En appui, islamité, maîtrise, chimiste, mystifié, trisomie, optimise, piétisme, etc., etc. Alors ici, rien en 7, rien en 8 et rien en 9. Ici, c'est pareil. Alors là, on a... Ouh, c'est joli. 3 solutions. Flipper, répulsif et superflu. Et en 9 lettres, en dehors des pluriels, superflic, profileur. Eh oui. Un profileur superflic. Alors là, beaucoup trop de solutions, en plus on les a presque toutes vues. Soulci, spicule pour les 7 lettres. En 8 lettres, il y en a beaucoup. Luisance, musicale, quiscale, ciboule, clubiste, ciseleur, ciselure, lichouze. Le hasard fait bien lichouze. Pardon. Silicule. Oculiste. Ok, allez, le tirage d'après. Oula, c'est splendide. Préquel, relique et reluque. Et en appui, craquelé, la querée, querable, querella, breloque, déloqué, querelle, relique au pluriel, réplique, loqueté, luperque. Et la querée au Z. Ok. Bon, là, rien en 7, rien en 8, rien en 9. Ici, on a... Oui, bah là, c'est un tirage de 6 lettres, donc voilà. Bon, pingre. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette partie et son décodage. J'espère que vous avez appris 2-3 bricoles. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à en parler autour de vous pour la faire connaître. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.